Attention, Daniel Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Centaure pour Dundee 33 qui t'appelle. Tu pars de Bordeaux, là, tu pars de la baie, là, t'as 3h15 pour aller à Issy-l'Œil. Quand tu mets un autre camion, c'est un malaise technique quand même. Ouais, il mettrait 2h30, 2h30 pour revenir de Bordeaux, je viens, mais quand tu es passé 3h quand même. Ah, il paraîtrait que sur la région, il n'y a plus personne sur les 40 canaux. Bon, ok. Il va falloir les avertir, tous ceux-là qui sont plus là, à chier trois coups. Il va y avoir des paramètres dedans, je sais pas. Enfin, il y a un bordel là, non. Attention la belette pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Nico pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention la belette, attention Nico, attention Scooby-Doo pour Dundee 33 qui vous appelle. Bon d'accord. Gagner ce temps.
c'est parti, mis en verre. Oh, ben oui, hein, tu sais, des fois, allons-y bien. Ouais, je suis des gars, j'ai deux jours de refus autant. Hein. Moi, j'ai aujourd'hui, j'en ai fait aussi, hein. Parce que, attends. Ouais, j'avais de la veille déjà, du temps, hein. Ben oui. Mais je m'attends à dire, ouais, ça moi, j'ai vu que tu plantes tout, les comme un con. T'es moustaché là, mais ils sont où? Urob kurwa to auto, a Robert kurwa idzie mi czytać kartę i chuj. No i kurwa Robert no poszedł ze mną, czytał tą kartę, ja mówię, ale kurwa to proszę mi od razu wysłać. Ils avaient défoncé la vitrine, ils avaient piqué les chaises, les tables et tout. En rentrant ils disent 150 000 euros. 150 000 euros, 150 000 euros de parachute. Et l'autre il s'est fait piquer 6 tables et 10 chaises. Il s'est fait péter 4 carreaux et 150 000 euros. Ah ben nom de Dieu, mais... Ah mais j'ai vu ton gars. Et il disait, vous avez perdu combien aujourd'hui? Vous avez fait quoi? Il disait qu'il avait fait 100 000 euros, qu'il avait perdu 15 000 euros de chiffre d'affaires sur la journée, hein. Tu imagines ça sur les Champs-Élysées. C'est 15 000 euros sur la journée, ouais, de chiffre d'affaires qu'il avait perdu, ouais. Et l'autre, ouais, je te dis 150 000 euros de frais de casse. C'est un mec con. Mais là, pour de... Enfin, c'est l'autre, tu te dis quand même, faut arrêter les conneries aussi, quoi. Tiens les rideaux, on ferme tout, on range tout, on met tout sous clé et puis on va laisser passer la journée, personne ne visera. Ben, je crois qu'il perdra un peu d'argent, le gars. Il n'en gagnera pas, mais il n'en perdra pas. Ça dit que 6 jours, après... Autant ça peut bien se passer, mais enfin j'y crois pas, bon, parce que t'as toujours... Mais même si tu veux que ça se passe bien, t'as toujours des casseurs, des... Donc, pour moi, il va y avoir de la casse quand même. Bon. Il m'a envoyé un truc. Bon, après, il y avait eu un mort, mais ça s'est pas fini. Il y a des gars.
de Saint-Labellette pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Coco ou JFK pour Dundee 33 qui vous appelle. Ok. Et ce sont 13:51, les stations stand-by de la part de Dundee 33 sur la Nationale 89. Et bien voilà, juste avant ça j'étais persuadé qu'il n'y avait personne là, et pourtant si. Pas mal de monde pense qu'il n'y a personne sur les 40 canaux. Pourtant ils sont là. Ils prennent les micros seulement quand ils en ont envie. Ah, surtout n'hésitez pas à prendre les micros. Il est fait pour ça. Je les vois plus loin. C'est calme. S'il y en a qui cherchent du matériel, du matériel président par exemple, ou se faire dépanner tout simplement, vous avez SAV Radio 33. Alors, il est facile à trouver sur internet et l'OM est vraiment super. Ah, c'était la page de pub. H3Q. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Barracuda 56 pour Dundee 33 qui t'appelle.